Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire pour trouver de nouveaux prospects lorsque votre liste de noms est épuisée. Donc c'est assez important comme webinaire. Donc ça peut être utile pour toutes les personnes qui démarrent dans l'activité, notamment. Vous avez peut-être appris certainement qu'il faut parler de l'opportunité de marketing relationnel à son entourage, à sa famille, à ses amis. Et donc, on vous dit d'écrire plusieurs noms sur un cahier, une feuille ou un support, peu importe. Et puis, vous allez les voir, alors un peu plus ou moins fébrilement, mais vous y allez. Et puis, au bout d'un moment, une fois que vous avez écrit toutes les personnes que vous connaissiez, d'un coup, vous n'avez plus d'idées, vous ne savez plus comment faire et votre activité stagne. Alors, ce webinaire va être en deux parties, en fait. Aujourd'hui, ça va être avec l'approche traditionnelle, c'est-à-dire celle qu'on vous apprend lorsque vous débutez dans cette activité. Et lundi, si vous venez lundi soir, vous aurez la deuxième partie pour trouver des prospects, des nouveaux prospects, cette fois-ci avec l'approche Internet et les différents outils qui seront mis à votre disposition, donc lundi soir. Aujourd'hui, c'est sur l'approche traditionnelle. Alors, dans un premier temps, on va regarder ensemble. Alors, la liste, comme je l'ai marqué, elle n'est en fait jamais épuisée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, une fois que vous avez marqué tous les noms de tous les contacts que vous connaissez et ensuite, une fois que vous les avez donc contactés directement, eh bien, alors certains vont vous répondre que oui, ils sont intéressés, d'autres vont vous dire non directement. D'autres vont ne pas savoir du tout et certains vont vous dire peut-être. Donc la liste de noms n'est jamais épuisée parce que ces contacts-là, et en fait, il faut que vous les gardiez précieusement avec vous et vous devez les recontacter, on va dire, c'est une moyenne, hein, on dit tous les 6 mois à peu près. Voilà, on dit que tous les 6 mois, c'est bien. Il faut arrêter avec une personne lorsqu'elle vous a dit clairement non, qu'elle ne serait jamais intéressée par votre projet, votre concept de marketing relationnel. À ce moment-là, une fois qu'elle vous a dit vraiment un non définitif, là, vous pouvez l'enlever de votre liste de noms. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est des personnes qui ne répondent pas ou qui ne sont pas sûres d'elles, il faut comme ça les relancer tous les 6 mois et pourquoi pas avec un webinaire comme ça de formation pour montrer en fait comment vous travaillez vous et votre équipe. Donc pensez à ça, ne jetez jamais votre liste de noms, vous pourrez toujours vous en servir. Alors, ce que je vais vous parler, je vais vous donner en fait plusieurs méthodes que moi j'ai utilisées en fait hein, lorsque j'ai commencé dans le marketing relationnel avec l'approche traditionnelle et d'ailleurs je continue toujours à le faire. Donc, je vais raconter un peu des petites histoires qui me sont arrivées personnellement, également des histoires qu'on m'a racontées certains distributeurs. Alors, dans un premier temps, eh bien, tout simplement sortez. Ne restez pas cloîtrés chez vous, que vous ayez choisi la méthode traditionnelle, l'approche ou l'approche Internet ou même les deux. Il faut que vous sortiez pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors, quel est l'objectif? Pas forcément de parler de votre opportunité dès le premier contact, non. Juste de faire connaissance et juste de prendre finalement les coordonnées de la personne. Alors, les coordonnées, ça peut être seulement le profil Facebook, hein. D'ailleurs, c'est peut-être mieux parce que si vous prenez le numéro de téléphone, ça peut peut-être avoir eu une certaine ambiguïté. Donc, si c'est vraiment pour le boulot, vous pouvez déjà essayer d'attraper la page, enfin le profil Facebook de la personne. Donc, ça peut être intéressant. Donc, sortez, essayez entre amis, donc dans des soirées. Il faut vraiment que vous rencontriez à chaque fois de nouvelles personnes pour étoffer votre liste de prospects. Voilà, moi j'essaye toujours, pardon, au moins une fois par semaine, donc des fois c'est plus, hein, mais je me force une fois par semaine au moins à sortir à l'extérieur pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc le mieux c'est dans les soirées aussi, parce que c'est vrai que dans les soirées, les gens sont plus aptes à faire la fête, plus open, et ils peuvent être plus à l'écoute également. Si je peux vous donner une petite astuce, pendant que vous faites connaissance avec ces personnes, essayez plutôt de les écouter. Et de poser des questions plutôt que vous ayez le rôle de celui qui parlait tout le temps. Je pense que ça sera beaucoup mieux si vous écoutez énormément les personnes. On verra dans un autre webinaire comment dialoguer avec les personnes, quel est le script à adopter pour intéresser les personnes
dans le marketing relationnel. Mais là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment des méthodes pour gonfler votre liste de noms. Donc déjà, sortez pour avoir de nouveaux noms. Et bien sûr, si vous travaillez à côté, si vous avez une activité professionnelle à côté, en parallèle, bien sûr, ça peut être aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, on continue. Alors, au parc, alors ça, c'est une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Françoise, qui est une distributrice. C'est elle qui m'a raconté ça, donc j'avais envie comme ça de vous la raconter. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans cette histoire-là. Et n'hésitez pas à commenter en direct. Nous sommes en direct, hein, je vous rappelle, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, laisser vos impressions sur ce que je raconte et si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Alors, donc Françoise, elle m'expliquait qu'elle travaille actuellement à temps partiel. Et donc, elle a un chien, elle le promène souvent dans le parc les après-midi parce qu'elle travaille en fait le matin. Et donc, ce qui se passe, c'est que elle rencontre souvent les mêmes personnes qui promènent également leur chien ou qui s'assoient sur un banc comme ça en train de lire un livre, un roman, du développement personnel par exemple. Et ces personnes-là, en fait, sont intriguées parce qu'ils voient Françoise qui n'a physiquement, si vous voulez, on voit qu'elle n'a pas encore l'âge de la retraite. Donc, ils se posent des questions, comment ça se fait qu'elle a autant de temps libre? Et donc, elle a attiré comme ça la curiosité et donc, elle a su commencer à parler du coup du marketing relationnel. Donc, je vous le répète, je vous le dirai dans un autre webinaire, le script hein, qu'il faut utiliser. Mais là, c'est pour vous donner des petites idées comme ça. Vous voyez, il faut que vous attisiez la curiosité vers les personnes en face. Ça lui est déjà arrivé aussi, elle m'a raconté, comme on le voit sur la photo, de s'asseoir sur un banc et de prendre un livre de développement personnel. Et souvent, il y a des gens qui viennent s'asseoir à côté d'elle, ben, regardent ce qu'elle est en train de lire et commencent à lui poser des questions. Et c'est comme ça qu'elle enclenche la conversation. Donc, c'est assez intéressant. Si vous avez un parc à proximité, une forêt, enfin voilà, quelque chose où vous pouvez vous balader, essayez de prendre cette idée en compte et ça vous fait comme ça de nouveaux prospects, de nouveaux contacts. Alors ensuite, au ciné. Alors le ciné, c'est moi, parce que bon, moi, je suis assez cinéphile, donc je vais régulièrement au cinéma et je vais vous raconter un peu comment j'ai pu faire de nouvelles rencontres et entre guillemets prospecter, même si j'aime pas trop ce mot, mais plutôt voilà, essayer de faire vraiment de nouvelles rencontres. Pareil, j'ai cité on va dire le côté intrigant, puisque ben, du coup, comme j'ai du temps libre, je vais au cinéma la journée et pas le soir. Et donc, ces personnes-là, j'ai acheté la carte passe illimitée, donc je peux aller autant de fois que je veux au cinéma. Et donc, les personnes qui travaillent là-bas m'ont vu régulièrement ben, venir comme ça les après-midi quand il n'y a pas trop de monde en général. Et donc, petit à petit, je voyais qu'il y a des étudiants qui travaillent, il y a aussi des gens à l'année. Et puis, certains d'entre eux ont commencé à me demander ben, ce que je faisais dans la vie, puisqu'ils me voyaient toujours avec du temps libre. Et surtout, je ne venais jamais le même jour. Parce que c'est vrai que j'aurais pu dire, ils auraient pu enfin, se dire plutôt, bon, il vient tous les jeudis à 14h, c'est qu'il doit avoir une demi-journée de repos. Et en fait, ils me voyaient ben, des fois le jeudi à 14h, mais des fois que c'était le lundi à 14h. Des fois le mardi matin, donc vous voyez, ils se posaient vraiment la question, ils étaient intrigués. Et là, pareil, c'est comme ça que vous pouvez faire de nouveaux contacts dans un autre lieu public. Donc là, j'ai donné l'exemple du cinéma parce que c'est une de mes passions, mais après, ça peut être n'importe quel autre endroit, ça peut être le théâtre. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc là aussi, c'est un endroit à ne pas négliger, donc ça fait partie des sorties. Et pareil, donc c'est une histoire que vous pouvez intégrer à vous et que vous pouvez aussi copier. Hein. Alors, ensuite, le réseau. Alors, le resto, pareil. Alors, moi, j'aime bien aller au ciné. Alors, quand j'y vais le soir, hein, pas l'après-midi à 14h, mais après, enchaîner avec un petit resto sympa. Si on est plusieurs, ça peut être voilà, assez agréable. Et alors, ce qui m'est arrivé, c'est que ben, peut-être que vous avez ça vous aussi. N'hésitez pas à commenter, hein, encore une fois. Si ça vous arrive, si ça vous parle. Vous savez, j'ai des petites cartes de visite où j'indique donc mon nom, mes coordonnées, mon blog, parce que j'ai un blog, et donc un petit peu deux, trois lignes qui intriguent un peu sur le projet de marketing relationnel. Et donc,
On était à table et quand on commençait à sympathiser ben, avec les serveurs, des fois on engageait un petit peu la conversation et puis si on voyait qu'ils étaient sympas et ouverts à l'écoute, eh bien en partant, moi je donnais une petite carte. J'ai dit écoutez, je vous trouve assez sympathique. Regardez ce que je propose, peut-être ça peut vous intéresser. Il y a ma carte ici. Vous avez juste une vidéo à regarder, vous avez mes coordonnées, si ça vous intéresse, vous me rappelez, il n'y a pas de problème. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. On verra encore une fois ensemble en détail un script à utiliser hein, dans l'approche directe. Mais pour vous donner l'idée là, alors bien sûr, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, mais moi je suis timide, j'ose pas du tout parler comme ça aux gens. Je vous rassure, j'ai débuté comme ça, très très timide. Et en fait, il faut pas vous stresser, il faut pas vous donner l'objectif à la fin du resto de faire un contact. Non, il faut que ça se fasse naturellement. Voilà, soyez calme, soyez pardon, naturel, surtout parce que si vous ne l'êtes pas, ça va se sentir hein, que vous êtes stressé par rapport à votre visage, peut-être par rapport à votre voix qui sera peut-être comme ça en train de sauter, comme ça, de bégayer aussi. Et donc, ça va pas passer. Donc, soyez naturel, cool. Laissez un pourboire généreux si vous pouvez également. Là, la personne, le serveur sera très ouvert à l'écoute. Hein. Donc, n'hésitez pas à donner des cartes. C'est une autre façon de gonfler votre liste de prospects. Bien sûr, la carte marche aussi au cinéma et au parc. Hein, sur les exemples que j'ai donnés, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, à la salle de sport. Donc là, c'est aussi mon expérience puisque moi, mon premier métier, c'est coach de remise en forme. Donc, j'ai assez fréquenté les salles de sport. Et là, ce qui est intéressant dans les salles de sport, c'est les profils des personnes. Alors, si vous avez l'occasion de vous entraîner en journée, donc pas forcément pendant les heures où il y a plein plein de monde, des heures de fréquentation élevées, si c'est dans les creux de la journée ou le soir tard, parce que vous savez que maintenant il y a des concepts de salles de sport qui ouvrent soit 24 heures sur 24, soit de 6 heures du matin à 23 heures. Et vous allez voir que si vous allez vous entraîner à 20h, 21h jusqu'à la fermeture, vous allez voir toujours un petit groupe de personnes, mais toujours les mêmes. Et ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ces gens-là, déjà, ont un profil pas pareil que les autres, au niveau du travail, en tout cas. Au niveau du travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des horaires comme 9h, 17h. Donc vous voyez déjà s'ils ont un rythme de travail différent. Peut-être qu'ils peuvent être plus ouverts à la discussion sur le marketing relationnel. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de monde à la salle à ce moment-là, ça peut être intéressant de vraiment discuter là-dessus. Donc, j'ai donné l'exemple du créneau du soir, mais ça peut être très bien le créneau du matin. Hein, pareil, si vous y allez à 7 heures du matin, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde, en tout cas en France, parce que c'est vrai que la culture française, je sais que par exemple, vous allez en Nouvelle-Zélande, ça ouvre à 4 heures du matin, c'est blindé. Bon, en France, alors peut-être sur Paris, c'est différent, mais en province, il n'y a pas tant de monde que ça, même dans les grandes villes. Hein. Donc voilà, vous pouvez avoir des profils très intéressants. Et c'est surtout que vous allez également voir des personnes qui sont à l'entraînement depuis des mois et des années, et ils sont toujours là, ils ne lâchent jamais. Et ça, c'est une qualité que l'on retrouve également dans le marketing relationnel. Donc, essayez de vous en servir, parce que c'est ça finalement qui vaut le coup, hein. Et si vous retrouvez des caractéristiques communes, ça peut vraiment vous faire une liste de prospects, de nouveaux contacts très intéressants. Donc voilà, sur quelques exemples que je vous ai donnés. Alors lundi, vous voyez, c'est assez court, hein, parce qu'il y a pas mal déjà d'infos, ça vous permet de réfléchir déjà à tous ces lieux. Vous pouvez trouver aussi d'autres lieux publics, hein, où vous pouvez gonfler votre liste de prospects une fois que vous avez parlé à tous vos contacts que vous connaissiez à la base, famille, amis. Donc là, pour aller plus loin, si ça vous a intéressé, que ça vous a plu, j'ai mis en place un système de plateforme illimitée de formation. Alors, des formations sur quoi? Des formations sur le marketing relationnel, sur les outils de web marketing. Il y aura des webinaires, des outils des formations de développement personnel, pardon, et sur les réseaux sociaux. Donc, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à cette plateforme illimité. Vous n'avez aucun risque, il n'y a aucun risque à prendre puisque le premier mois vous est offert. Comme ça vous permet de regarder si ça vous plaît, si vous arrivez à vous former au quotidien, parce que c'est très important
pour augmenter votre valeur ajoutée et vos compétences. Ensuite, c'est un abonnement mensuel, mais vous n'êtes pas du tout obligé hein, de vous y abonner. Vous pouvez vous désinscrire avant et c'est surtout un faible prix. Je vous laisserai regarder. C'est accessible à tout le monde. Moi, je vous retrouve à lundi avec plaisir pour la deuxième partie de ce webinaire, toujours à la même heure, à peu près vers 21h. Et là, on verra comment vous pourrez gonfler votre liste de prospects, mais avec les outils du net, avec l'approche Internet. Voilà, n'hésitez pas à liker la fanpage, celle-ci, si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout avec le nouvel algorithme de Facebook, de cocher en premier pour recevoir toutes les notifications des prochains webinaires que je vais mettre en place, des prochains lives que je ferai avec vous. Voilà, et bien je vous retrouve avec plaisir lundi soir et passez une excellente soirée. À bientôt, n'hésitez pas à commenter, je répondrai en dessous si vous avez des questions. Bonne soirée, à bientôt.